retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'on va chasser le ragondin, mais pas à l'arc comme d'habitude. On va le chasser avec une carabine. Eh oui, c'est une carabine 22 long rifle. Alors je dis chasser, mais c'est pas vraiment ça. Alors en fait, il faut savoir que la chasse avec cette carabine, elle est interdite. Alors là, vous me direz, mais Marius, pourquoi tu fais une vidéo alors? Parce que là, je ne vais pas chasser, je vais entre guillemets détruire. Oui, parce que la carabine 22 long rifle, elle est autorisée pour la destruction de certaines espèces, dont notamment le ragondin. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je suis sur un petit marais où le propriétaire m'a demandé d'intervenir parce que les ragondins, ils pullulent dans le coin. Ils ont totalement creusé des trous partout. Ils ont fait effondrer les berges. Son étang, il est en train de s'envaser. C'est une catastrophe. On est mi-mai. Il fait hyper chaud la journée. Donc là, j'arrive en soirée. Les ragondins, ils sont très actifs le matin et le soir, surtout en soirée. Donc là, voilà, il est à peu près 19h30, 20h. Et donc on vient d'arriver. Donc là, vous voyez, je me suis mis juste devant un saule, juste devant un arbre, accroupi. Bon, je suis pas très bien caché, je suis en t-shirt, j'ai pas fait d'affût, mais bon, normalement ça devrait suffire. Et donc on va patienter tranquillement, voir si les ragondins peuvent se défiler. Alors la 22 long rifle, c'est super, ça, c'est extrêmement précis, c'est très puissant aussi. Il faut faire attention où on tire, hein, c'est une arme à feu, donc faut bien sûr respecter toutes les règles de sécurité essentielles. Il faut bien évidemment le permis de chasser. Et c'est vraiment, vous voyez, des toutes petites munitions qui font quoi, la taille d'une phalange, mais c'est vraiment puissant. Ça peut vraiment tirer loin, jusqu'à une bonne centaine de mètres. Bon là, on va tirer pas plus loin que 40 ou 50 mètres. Donc vous voyez, on a quand même une bonne portée. Et c'est surtout, et ça c'est ce que j'adore avec cette arme, c'est extrêmement discret. Vous voyez, j'ai au bout de mon canon, j'ai ce qu'on appelle un silencieux. Alors ça fait pas comme dans les tontons flingueurs, hein. ça réduit un peu le son, mais il y a quand même une détonation. Et pour maximiser ça, mes munitions, c'est ce qu'on appelle des munitions subsoniques. C'est encore plus discret. Alors là, vous allez me dire, mais Marius, quel intérêt d'être discret? Et ben, l'intérêt, c'est qu'on dérange pas toute la faune alentour, tous les oiseaux, tous les autres animaux, on va pas les déranger. En plus, on est au printemps, les oiseaux ils se reproduisent, donc ils aiment pas trop être dérangés. Et là, on va pouvoir intervenir hyper discrètement. C'est en plus efficace parce que vu qu'on fait pas de bruit, les ragondins à côté, bah, ils entendent pas, ils se rendent pas compte qu'il y a un danger. Et donc c'est beaucoup plus efficace en termes de régulation. Donc voilà, pour moi, pour entre guillemets faire la destruction, c'est vraiment l'arme idéale, ça coûte pas très cher, c'est hyper efficace, c'est hyper discret, il n'y a pas mieux. L'avantage aussi de la 22 long rifle, c'est que ça va pas beaucoup abîmer le ragondin. Par rapport par exemple à une flèche d'un arc qui fait quand même une grosse entaille par rapport à une balle de 22. Et donc du coup, la viande elle va être beaucoup moins abîmée, donc on va pouvoir manger le ragondin derrière. Et surtout sa fourrure également, la fourrure du ragondin va pas être beaucoup abîmée. Et moi j'ai un ami qui, son métier c'est de tanner les peaux de ragondin et en faire des petits objets. Et il fabrique notamment plein de petits sacs comme ça avec de la fourrure de ragondin. Il fait plein de choses, il fait des chapeaux, il fait des carquois pour ranger les flèches des arcs, enfin c'est super. Du coup moi je lui donne mes fourrures de ragondin, donc il est content. Et donc comme ça le ragondin est valorisé, moi je vais garder la viande pour la manger. Et puis mon copain lui récupère les fourrures. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo avec lui sur ses petits sacs et tous les objets qu'il fabrique en ragondin. Et alors que je vous parlais, je me suis rendu compte qu'il y a un ragondin qui s'est approché et qui est monté sur la berge juste en face. Alors je me suis empressé de le filmer pour pouvoir le tirer. Mais je ne me suis pas précipité, le vent est de mon côté. On peut voir que le ragondin est tranquille, il est en train de faire sa toilette. Donc je vais prendre mon temps avant de le tirer. La balle a atteint l'animal en pleine tête pour une mort instantanée. Le tir parfait. Mais quelques secondes après, sorti des roseaux, je vois quoi, juste à côté, à peine 50 mètres, un autre ragondin. Il a dû entendre la détonation, ça l'a un peu inquiété, mais il savait pas trop ce que c'était. Donc il est resté là à écouter, ce qui m'a permis de le voir et de pouvoir essayer de le tirer. Mais pour le moment, l'animal il est mal placé, il est de face, j'ai pas accès à ses zones vitales. Pour que le tir soit vraiment efficace, il va falloir que j'attende un petit peu qu'il se décale pour pouvoir le tirer dans les meilleures conditions possibles. Et quelques instants plus tard, il n'a pas identifié de danger, donc il se met à faire sa toilette. Cette fois-ci, le tir n'est pas aussi bien placé que le premier. Il est quand même un peu plus loin, je tire à bras francs, donc c'est compliqué d'être bien précis. Mais bon, l'animal est mortellement atteint. Quelques secondes plus tard, il est mort dans l'eau. Oh bah ça c'était magnifique, il y a deux ragondins qui sont arrivés en même temps, ça fait 2 minutes que je suis arrivé, je n'ai pas eu le temps de le venir, la caméra n'était même pas montée, ils sont tout de suite montés sur la berge à faire leur toilette,
Et bah, y en a un, le premier devant moi, qui était plus près. Je l'ai tiré, je l'ai séché d'une balle propre. Et puis le deuxième, il est resté là, sans bouger. Il a entendu la détonation, mais vu que c'est pas très fort, ça l'a pas trop inquiété. Du coup, bah, il est resté là, il a attendu. J'ai pas bougé pendant une à deux minutes. Et puis, il a continué à faire sa toilette. Et voilà, j'ai pu le tirer convenablement, avec un tir efficace, pareil. Donc, top, en l'espace de deux minutes, j'ai fait deux gros ragondins, c'était bon. Là, je vais pas sortir de mon affût, je vais les laisser là, on ira les chercher quand la nuit sera tombée. Je vous avais dit que la 22 c'était discret, et c'est vraiment super en termes d'efficacité de régulation. Il y a franchement rien de mieux. Bon, bah j'ai pas vu d'autres ragondins, à part les deux premiers que j'ai vus en arrivant, que j'ai tués. Donc là, je vais partir, le soleil est en train de se coucher. Je reviendrai d'ici quelques jours, ce sera la suite de la vidéo. Mais d'abord, on va regarder les deux spécimens qu'on a tués. Alors, le premier... Voilà le premier, vous voyez un peu de sang, c'est normal parce qu'il s'est pris la balle en pleine tête juste ici, donc ça saigne un peu, hein, c'est normal, mais au moins la mort a été instantanée. Un bon ragondin encore, hein, dis donc. Un gros spécimen. Bon ragondin, il a une belle fourrure. Denis va être content, il n'est pas abîmé, on va pouvoir récupérer les cuisses et les filets, c'est ce qui se mange principalement dans le ragondin. Quand je vous disais les dégâts que ça fait les ragondins, vous avez vu toutes les berges, comment elles ont été grattées. Du coup, cette terre, ça va dans l'étang, il s'envase, il meurt petit à petit. Et là, voilà notre deuxième ragondin. Il y a une écrevisse qui grimpe dessus. Elle est en train de le commencer à le manger. Lui, c'est pareil, le tir a été efficace. Hop, viens là, mon gros. Il est déjà un peu plus gros, lui. Hein. C'est déjà un plus beau ragondin. Hop là. Ouf. Et ben, c'est un mâle aussi. On peut voir, hein. Son pénis qui est ici. Oh, ses dents. Oh, les dents qu'il a. J'ai jamais vu un ragondin avec des dents aussi noires. Impressionnant. Regardez ses dents. Oh, oh la vache. Regardez par rapport à mon doigt. Elles sont d'un noir. Incroyable. Incroyable. Ça doit être un très vieux ragondin, je pense. Et regardez en plus. Vous voyez sa queue? Vous me dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a un petit moignon comme ça? Et bah, tout simplement parce que, vu que c'est un mâle, les mâles ils se battent pour leur territoire et souvent bah, ils se mordent la queue. Et bah voilà, ils se coupent la queue entre eux. Et là je pense qu'on a vrai affaire à un vieux ragondin, je pense. Il a vu quelques hivers, mais alors là des dents comme ça aussi noires, je n'en ai jamais vu. Impressionnant. Et bah voilà les deux spécimens de ce soir que j'ai eu avec ma petite carabine. Bon bah ça a été deux tirs rapides et efficaces. Hein. Le reste de la soirée n'a pas été aussi fructueux que le début. Bon, on finit quand même avec deux beaux animaux, c'est deux mâles, notamment celui-ci avec des dents très noires, j'ai jamais vu ça, enfin bref. Du coup, là, ce que je vais faire, ces ragondins, je vais les manger. Je vais les manger avec des copains qui n'ont jamais mangé de ragondins, donc je vais leur faire une petite surprise. Donc là, je vais prendre les cuisses et les filets, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant sur un ragondin. Ensuite, bien sûr, je vais prendre le petit bout de la queue, parce que vu que les ragondins sont des espèces nuisibles, on a une prime à la queue pour chaque ragondin qu'on tue. Donc on prend le petit bout de la queue. Et puis après le reste, moi la fourrure, je vais la garder. Après je vais la donner à un ami qui, bah, comme je vous l'ai montré, qui fait ses sacs. Donc voilà, tout va être à peu près utilisé. Donc là, je vais découper les cuisses et les filets. Et puis je pense qu'on se fera une deuxième petite soirée d'affût pour histoire de tirer avec un ou deux ragondins en plus, parce qu'ici, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Donc on devrait en revoir, je pense. Et bien, on se retrouve pour une deuxième soirée d'affût, toujours à la carabine, à la recherche des ragondins. Cette fois-ci, on a changé de spot. Là, on est au bord d'un petit canal, si vous voulez, qui est bordé par plein de saules. Et dans les saules, je viens d'entendre un à l'instant, il y a plein de ragondins. Et en fait, à la nuit tombée, du moins le soir, ils vont sortir pour venir manger juste devant moi. Devant moi, il y a une petite zone un peu herbeuse, une bordure de la bordure du canal. Et donc, il y a de l'herbe, et donc ils sortent de leur couvert pour venir manger. Et donc là, je me suis camouflé dans un petit tas de ronciers qui était juste à côté. Et donc, je vais les attendre. J'arrête pas d'entendre crier. Bon, ils sont à une centaine de mètres de moi. Donc bon, j'espère qu'ils vont sortir. Je sais pas trop, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Généralement, les ragondins, quand il y a du vent, d'expérience, ils aiment pas trop se montrer. Donc on verra bien. Je pense qu'on va en voir quelques-uns. Mais pareil, j'interviens ici pour les mêmes raisons. En fait, ils creusent énormément la berge, ce qui fait qu'elle s'effondre. C'est vraiment un vrai problème ici. Donc pareil, on m'a demandé d'intervenir. Et donc, encore une fois, la 22 pour la destruction efficace du ragondin, c'est le top. C'est vraiment, c'est hyper discret. C'est précis, c'est le top, franchement c'est le top. Donc voilà, voilà le programme de ce soir. J'espère qu'on verra quelques animaux.
Et il n'a pas fallu longtemps avant de voir le premier ragondin qui arrive à la nage. Il arrive droit sur la berge, donc je me dis qu'il va vite me grimper dessus pour manger, donc je me prépare. Pour être bien stable, je me suis fabriqué un petit trépied avec une branche de noisetier coupée en deux, et ça permet vraiment de faire des tirs très précis pour que la carabine ne bouge pas. Alors c'est peut-être pas le plus esthétique, mais croyez-moi, ça marche très 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 bien. Maintenant, je vais être beaucoup moins indulgent, je vais beaucoup moins attendre. Dès que le ragondin va pointer le bout de son museau, je vais le tirer dès la première petite opportunité que je vais avoir. Un peu plus tard, il y a ce ragondin à la nage, le long des saules. Alors, il serait tirable, mais honnêtement, c'est des tirs quand même très compliqués, parce qu'on peut voir, il y a juste le haut de sa tête qui apparaît. En plus, il est en train de se déplacer, donc c'est tuable, mais c'est compliqué. J'essaye de l'arrêter en l'appelant, mais rien n'y fait, il trace sa route, donc tant pis, celui-ci, je vais le laisser tranquille pour le moment. Et de toute façon, il y a de grandes chances qu'il revienne sur la berge pour manger. Et j'ai bien fait de ne pas tirer le dernier ragondin, car quelques instants plus tard, dans les branches des saules, qu'est-ce que je vois? Un petit ragondin qui est monté dans les branches, en train de déguster tranquillement quelques feuilles. Vu qu'il mange, il est immobile, je vais pouvoir le tirer. Et voilà le premier ragondin, la soirée commence bien, le tir était nickel, donc c'est top. Ça fait quelques temps que j'entends plusieurs ragondins dans les branches, mais je les voyais pas, ils voulaient pas sortir. Et puis, oh, du coin de l'œil, j'en ai vu un qui était déjà en train de manger dans les branches basses d'un saule. Alors au début, je voyais juste le haut de la tête, alors c'était compliqué. Mais après, il s'est mis sur une branche, et là, je voyais toute bien sa tête, donc j'ai pu prendre mon temps et faire un bon tir. C'est un tir qui est à une cinquantaine de mètres à peu près. Mais là, ça a été parfait. Un seul tir, mort instantané, efficace, c'est hyper discret. La soirée avance et un autre ragondin grimpe sur la berge. Et comme d'habitude, dès qu'ils sortent de l'eau, ils font leur toilette. Mais celui-ci, il arrête vite de se laver et il passe à table tout de suite. J'attends tranquillement qu'il m'offre une bonne opportunité de tir, qu'il soit bien de profil. Et au bout d'un petit moment, il s'approche de plus en plus. Et là, on peut voir, il est bien de profil, donc je vais pouvoir le tirer. Le ragondin repart, mais je suis certain que ma balle a mortellement touché le ragondin. Mais par sécurité, je vais le tirer une deuxième fois. Il est resté sur la berge, au moins comme ça je suis sûr qu'il n'ira pas plus loin. Bon, et bah deuxième ragondin pour ce soir. C'est cool. L'avantage d'avoir un chargeur comme un tir comme on vient de faire, c'est qu'on part, on peut tirer plusieurs coups d'affilée. Là en l'occurrence, j'ai droit à 10 coups, 9 dans le chargeur, une dans la chambre. Alors quand même, c'est vachement pratique pour pouvoir enchaîner les tirs. Et regardez ce que je vois arriver à la nage, un autre ragondin qui va se pointer juste au bord de la berge. Quelques instants plus tard, il est grimpé sur la berge et il commence lui aussi à faire sa toilette. Je vais pouvoir me préparer à le tirer.
Ça, c'est un sacré saut. C'est une réaction typique d'un ragondin qui se prend la balle en plein cœur. Et en fait, là, il est retombé au pied de la berge. Il n'a pas bougé. Il est resté immobile comme ça, mort, séché par la balle. Je vais pouvoir le récupérer tout de suite après. Je venais juste de finir de vous parler du deuxième ragondin que le troisième arrivait déjà. Bon, cette fois-ci, le tir est beaucoup mieux placé. Ça se voit peut-être pas à l'image, mais vraiment, le tir est pour moi en plein cœur. Sa réaction, d'ailleurs, le confirme. Le fait qu'il ait sauté comme ça, c'est souvent le cas quand c'est en plein cœur. Troisième ragondin, impeccable. Celui-ci, je l'ai vraiment pas tiré loin, j'ai tiré à 25 mètres. Il était là juste devant moi en train de faire sa toilette. Et ben voilà, fin de soirée les amis. Trois beaux ragondins que j'ai prélevés à la carabine. Sur trois actions correctes, j'ai retrouvé les trois. Donc très content, vraiment des beaux spécimens. Là, celui-ci notamment, il est vraiment gros. C'est une femelle qui doit être pleine. Donc on est au mois de mai, là, les ragondins sont en pleine période de reproduction. Donc c'est pour moi peut-être le meilleur moment pour faire de la régulation efficace, parce que typiquement cette femelle, je pense qu'elle a des petits en gestation, et ben au final c'est comme si j'en avais tué 5, 6, peut-être 7, ça dépend combien il y en a dans le ventre. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Là on a un mâle par contre, et là on a aussi un autre mâle. Donc on a deux mâles et une grosse femelle. Donc bon, une soirée efficace aujourd'hui. Je vais prendre la viande de ces ragondins. Et puis on va se retrouver tout de suite pour aller déguster cette fameuse viande entre copains. On va être une petite équipe pour goûter ça. Je pense que la majorité d'entre eux n'ont pas encore goûté du ragondin. Je pense que ça va être marrant de voir leur réaction en goûtant du ragondin. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve en cuisine avec le ragondin qu'on a tué. Je suis pas tout seul comme je vous l'ai dit, il y a les copains qui sont juste là. Ils sont timides, ils sont mis dans le fond. La petite particularité ce week-end, c'est le Game Fair. Le Game Fair, c'est un salon de la chasse. Bref, on va être tous les quatre entre copains. On s'est pris un petit Airbnb, ça va être sympa. Et bien sûr, je vais leur faire déguster ce que vous avez vu. Des ragondins, hein. Là, j'ai des cuisses et des filets. On va faire cuire ça, ça va être vraiment pas mal. Voilà, on va préparer ça très simplement. Je vais couper ça en fines lamelles. Et puis, je vais mettre ça dans une poêle, juste bien grillé avec un peu de beurre, ça va être bon. Et puis voilà, on va goûter ça. Assez nature, assez simple. Comme ça, ils vont avoir un bon aperçu réel du goût du ragondin et ce sera pas trop mal. Vous allez voir que ça peut être appétissant, vraiment. J'ai découpé une seule cuisse, j'ai vraiment tout bien désossé. Donc et après j'ai découpé ça en fines lamelles. Avec ça j'ai mis un petit morceau de filet, on voit la chair ici est beaucoup plus claire. Le filet c'est quand même une chair un peu plus tendre, un peu plus meilleure. Donc déjà on va pouvoir comparer, ça va être sympa. Donc là on va mettre ça à chauffer. On va mettre ça un peu grillé, on va faire ça un peu faire ça caramélisé. On va essayer de faire ça bien. Assez simple mais faire ça bien. Bon bah en fait on a oublié le beurre, du coup on va prendre de l'huile de tournesol, ça va faire pareil. Avec du beurre ça aurait été quand même un peu meilleur je pense. Donc là une poêle, paf, tout simple hein, juste pour faire rissoler. On va mettre une petite fine, voilà, juste ça, toc. Ensuite le ragondin, on va bien l'assaisonner avec un peu de sel et de poivre, ça va être pas mal. Et puis là on va bien les faire, c'est une chair qui est blanche, c'est entre, ce que j'aime bien dire c'est entre le porc et le poulet. Et j'aime bien quand c'est un peu grillé quoi, c'est pas mauvais quand c'est comme ça. Allez, zou. Voilà. Un bon ragondin des marais. Il faut le juste milieu entre le croquant et le fondant. Bon, les deux leçons de l'histoire, les jeunes, valorisez votre chasse, première. Et la deuxième, si vous avez un fossé avec des ragondins dedans, vous pouvez faire une petite poêlée. C'est ça, quand on a dit ça, on a tout dit. Ça mérite une toque, ça, quand même, non? Je pense que plus le temps passe, plus la toque est méritée. Une petite toque. Bon, si vous voulez voir Marius avec une petite toque stylée, qu'on va lui confectionner, lâchez un pouce bleu pour la vidéo, les jeunes. Ça fait plaisir. Ça soutient la cause. Qu'est-ce qu'il en pense, le principal concerné? Mais j'imagine pas la toque qu'ils peuvent me faire. Bon. On en a fait baigner un dans une maracana, on peut en faire une toque à un autre. Hein. Ça fait pas peur. Hein. Ça bien bien coloré, franchement c'est franchement appétissant, on peut pas savoir que c'est du ragondin. Ah oui. Ça bien coloré, c'est bien grillé, c'est pas mal. On va les laisser encore un petit peu, je vois que ça il y a encore un peu de sang, tout ça, on va les laisser encore un peu, ça va pas faire de mal. C'est Romain et Chevest celui. Ouais, mais... J'ai que la calvitie. Ouais, c'est tout. J'ai que ça. Ouais. Petit, on les enlève. Bon alors c'est pas notre poêle, mais si c'est votre poêle, piquez pas avec la fourchette dedans. C'est pas recommandé pour la durée de vie de la poêle. C'est prêt ou pas? Ah ouais, c'est croustillant croquant là. C'est croustillant croquant. Ah, croustillant croquant. C'est bien croquant, bien craquant. Croquant.
Le chef il a délégué là. Ouais, le chef bah, il est en pause. Il est en pause. Non, attends vite, il est en pause. Quand même. Bon, ça ressemble à quelque chose là. Ouais, on va juste laisser cuire le gros. C'est mon petit commis. Exactement. Il est bon ou pas? Oui. Très bon. Moi je dis très bon. Tu diras dans 5 minutes. Et maintenant, apéritif. Voilà, maintenant c'est bien sympa de les cuisiner, de les chasser. Enfin plutôt de les chasser et de les cuisiner. Maintenant faut les manger. Maintenant à table, hein. Allez, c'est parti. Moi je dirais Romain goûte en premier, on sait jamais au cas où. C'est toi qui vas faire le premier pas. Alors déjà, ça ressemble? Montre-nous à quoi ça ressemble. Dans Astérix Obélix, le goûteur il a pas fini bien quand même. Bon là c'est bien cuit, il y a une petite croûte dessus là. Montre-moi. C'est encore un peu rosé dedans là. C'est la fin du cycle du ragon, presque. Bientôt. Fais voir. Déjà c'est tendre. Ah oui. Non, franchement c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est vraiment entre le porc et le poulet. C'est-à-dire que c'est plus juteux que du poulet, mais ça a un tout petit peu moins de goût que le porc. Mais c'est là où... C'est moins ferme comme porc. Ouais, c'est ça, c'est moins ferme. C'est moins sec. Moins sec. Mmh. Et c'est là où t'as l'assaisonnement. Là, tu sais avec quoi là? Là, une petite persillade là. Ah oui. Dessus, là. Une petite persillade là. Ça aurait été pas mal avec un peu d'ail là, frais là. Regarde s'il aime pas ça. Regarde s'il aime pas ça. Rapide. C'est bon, hein? Ouais, pas mal. Franchement, non, mais... tu ne dis pas que c'est du ragondin. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah. Vous allez m'en laisser quand même ou pas là? quand tu viens à la maison là, je te fais sur la plancha. Avec un peu d'ail de persil, d'huile d'olive. On va goûter quand même. 2-3 poivrons au milieu pour donner un peu de goût. Ah oui. Un peu d'ail en chemise. Ah, c'est sûr. Voilà, terrible. Il faudrait le faire griller. Et après le cuire sous cloche, tu vois, sous une cloche. Ah oui, pour que ce soit tendre. Ouais, pour que ce soit encore plus juteux. Ouais, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça, ce serait pas mal. Mais c'est bon comme ça là déjà. Romain, tu restes. C'est très bon. Et attends, mais je peux goûter quoi? Parce que j'ai un peu d'envie. Le chef. Là. Le chef. Alors. Je dis, un peu de persillade, donc. Franchement, c'est super bon. Ouais, c'est bon. Et nature, c'est très bon. Il n'y a pas de goût fort. Nature, c'est très bon. Non, et regarde s'il aime pas ça, un peu de persil, mais heureusement que maintenant la persil. Même en brochette. Ouais. Ça franchement, au barbecue, en brochette. Ah, et même, tu vois, mariné, bon, je pense que ça doit être très bon. Ça, tu fais un petit poulet teriyaki revisité, ça peut être très bon. C'est clair. Ça peut être très bon. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, entre un mélange de tours d'aventure dans les marais et de cuisine comme ça entre copains, eh ben dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire pareil. Franchement, le ragondin, j'arrête pas de vous le dire. Franchement, allez-y, goûtez, ça vaut le coup, c'est sympa à faire essayer à d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est toujours marrant. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, merci. Et nous on se dit à la prochaine. Bisous. Lâchez un pouce bleu les jeunes. Oh. N'oubliez pas.